Salut Loulou, ici Milas, j'espère que vous allez bien et que c'est la grande forme. On se retrouve ce petit samedi pour du PVP. Alors vous avez vu, la game est un petit peu longue, voilà, hop là, je cache. Donc j'ai bête en x2, voire même en x4 au démarrage, je sais pas vraiment ce qui est le plus intéressant. Aujourd'hui une technique qui nous vient tout droit de derrière mon esprit brumeux et torturé une fois de plus, qui vous permet de gagner facilement. Ouais, on va le dire comme ça, gagner facilement vos PVP. C'est une technique no-brain, enfin je peux pas dire autrement, c'est une technique vraiment no-brain. Elle est là que pour vous faire gagner facilement. C'est pas intéressant à voir, c'est pas spécialement intéressant à jouer, mais c'est pas mal pour gagner. Donc je me dis que bon, l'important c'est pas de gagner, c'est une mission de l'adversaire. Mais quand même, si on peut gagner un petit peu, bah c'est pas plus mal. Alors, démarrage très classique pour moi-même. Également pour Xuxi. Alors Xuxi sera le joueur contre lequel je vais être confronté sur Plateau de Shakura. Plateau de Shakura, c'est le genre de map. Ah, hop là, je vais mettre doucement. Plateau de Shakura, c'était des premières maps qu'on pouvait retrouver sur StarCraft Wing of Liberty. Donc c'était vraiment une très très bonne map. Je l'adorais. D'ailleurs, vous m'avez connu sur cette map. Mon premier tuto en fait était un PVT qui était fait sur cette map. Et peut-être que je referai ce PVP. Enfin, ce PVT parce qu'il était vraiment super super sympa. Donc Metalopolis, une très bonne map pour Proto Ceteran. Un petit peu moins pour Zerg, pourquoi la B2 est très safe, hein, très facilement prenable. La B3 par contre, vous êtes directement vu par la Xel'Naga, deux Xel'Naga en plein milieu de la map. Donc ça aide vraiment à voir ce qui se passe sur la map. La B2 safe, la B3 compliquée, sinon une B3 directement à l'opposé. Mais si vous jouez contre un Protoss ou un Terran, voilà, il peut dropper des chars, il peut dropper des colosses à ce niveau-là. Ça peut faire beaucoup de dommages très rapidement. Donc finalement, c'est vraiment pas le genre de map spécialisé pour les Zergs. Ça, je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas une map à Zerg. Même si finalement, le milieu de la map, bon, est assez ouvert. Hein, donc il y a quand même des choses à faire pour les Zergs. Mais vous voyez, il y a quand même des rochers, il y a quand même des endroits un petit peu serrés. Donc des force fields ou alors des chars bien positionnés sur les hauteurs. Et c'est terminé pour nos amis Zergs. Aujourd'hui, du PVP. Alors vous avez vu, bon, démarrage très classique. Hein, j'ai pris deux gaz assez rapidement. Je suis parti sur un petit score. Très rapidement aussi, pourquoi? Pour se protéger au cas où il y a une agression avec un stalker ou un zélote. Également on va avoir le canon assez rapidement in-game. Et ça c'est vraiment utile, le canon, pour peu qu'il y ait un oracle, un truc comme ça qui se pointe. Vous pouvez le repousser. Et moi j'ai ma petite sonde qui était planquée. Alors ça c'est vraiment les grandes maps qu'on trouvait au démarrage sur Wing of Liberty. Et bien avec vos sondes vous pouvez vous planquer un petit peu à droite ou à gauche. Et finalement j'ai vu ce qui se passait. J'ai vu la robotique facility qui était en construction. Donc je suis safe, il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y aura pas de DT, il n'y aura pas d'oracle. Donc pour le moment je sais que c'est vraiment de la macro game. Robotique de son côté, robotique de mon côté. C'est vraiment le cas de figure où les deux joueurs vont partir ultra macro. La V2 voilà, va être posée assez rapidement pour Xuxi. Un petit erreur de micro de la part de Xuxi, vous voyez, il y a beaucoup de chrono boost. Alors peut-être qu'il veut faire quelque chose avec, ça pourrait être possible. Je sais pas trop. Et pour le moment, voilà, moi je protège ma ligne de minerai au cas où il y a un oracle, on sait jamais, hein. Proxy oracle, ça existe. Donc le meilleur moyen pour pousser un oracle, c'est soit un stalker et le Mothership Core. Avec le Mothership Core, vous pouvez balancer le canon, l'overcharge. Parce qu'un stalker seul, ça fera pas assez dommage. Un stalker, l'oracle peut prendre 7, 8 sondes, donc ça peut vous faire quand même un gros tarot dans la tête, vous faites pas attention. Deux stalkers, il y a toujours 3-4 sondes qui peuvent tomber. Donc même deux stalkers, l'oracle peut être rentabilisé. Donc faut vraiment faire attention, le meilleur moyen pour protéger bien sûr, c'est le canon overcharge qui fait beaucoup de dommages et surtout c'est très rapide. Bon, on n'y est pas encore. Première unité pour ma part va être un immortel et également la même chose pour l'adversaire qui est parti. Voilà, macro, 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 des gateways qui sont posés derrière. Donc pour le moment, très classique de la part des deux joueurs. J'aime penser un petit peu plus vite. Hein. Alors, PVP, un point qui est important, c'est la forge. Très rapidement, si vous voulez partir sur une bonne macro PVP, ce qu'il va falloir faire, c'est améliorer rapidement le plus 1, plus 2, plus 3 d'attaque. Pourquoi? Ça se joue beaucoup en PVP à l'upgrade. Alors, comme tous les matchups, vous allez me dire, hein, il faut absolument avoir des bons upgrades. Mais le plus 1 est vraiment crucial, plus 1, plus 2, plus 3, et ça peut vraiment faire la différence. Donc, allez chercher assez rapidement ces upgrades, ce ne sera pas un mal. Derrière, je continue à faire du mortel. Une petite sentry pour faire des glaçons au cas où. Et vous voyez, mon adversaire qui est bon parti sur le même build que moi actuellement. Donc, il va y avoir deux immortels in-game. Lui avoir un stalker, deux sentry. Moi, j'ai avoir que un stalker et deux sentry. Donc, le BO type. Je pensais avoir une seule sentry. Le BO type, voilà. Les observeurs qui sont sortis. Donc, j'ai un observeur dans ma B1, un observeur dans ma B2. Même pas, c'est peut-être même pas à moi. Voilà, c'est Xuxi. Donc, je vois mes obs à droite ou à gauche. Attention, on perd pas ces unités,
ce serait dommage. Et mon adversaire voilà, qui est parti sur le plus en attaque, comme je l'ai dit. La charge. Alors pourquoi pas la charge, ça se fait. Par contre, ce qui fait plus en PVP d'habitude, c'est les colosses. Assez rapidement, on part sur les premiers colosses. Habituellement, un push avec un colosse possible. Mais plutôt, on part sur un all-in one base. Sinon, vous pouvez partir sur un push deux ou trois colosses. Auquel cas, vous posez pas mal de gateway. Et vous avez deux colosses pour casser les glaçons. Ok. Et également pour faire des dommages de loin. Donc là, moi, classiquement, PVP, on va dire traditionnel, je suis parti sur du colosse qui va me permettre normalement de repousser le premier push de mon adversaire. Bon, pour le moment, c'est un petit peu en chaîne faïence, ça avance pas beaucoup. Mon adversaire qui continue à faire d'immortels. Alors, c'est pas bête. L'immortel, une bonne unité en PVP. Alors, rusher le colosse, c'est pas forcément la meilleure idée parce que si vous êtes l'immortel, les immortels défoncent facilement les colosses. Ok, par contre, une fois que vous avez commencé à avoir un 2-3 colosses in-game, ouais, là ça commence à devenir plutôt intéressant. Et il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Alors, moi j'ai deux colosses, j'ai deux immortels, je vais prendre ma B3 et j'ai commencé à poser les canons qui sont très importants in game. Hein. Souvenez-vous, c'est une strat à la con, donc il faut vraiment avoir une pensée à la con. Donc je vais faire pas mal de canons, ça va me protéger, c'est la pop gratos, hein, c'est la pop gratos, ça fait du dommage et surtout ça m'évite de perdre des unités bêtement ou de mettre de l'armée entre guillemets qui est sacrifiable. Voilà. Le plus 1 de défense est recherché. Moi je suis parti sur plus 3 d'attaque. Enfin, vous voyez très rapidement je suis parti sur plus 3 d'attaque. Les DT également in-game. Ça c'est très important d'avoir les DT dans cette stratégie. Alors, vous voyez, il y a de l'Arconte, il y a de l'Immortel, il y a du Stalker, il y a des Sentries. Donc très bonne armée de sa part. Très bonne armée de sa part. Et actuellement ma composition armée n'est pas du tout optimale pour jouer contre. En plus, de l'autre côté, Xuxi qui joue très très bien parce qu'il m'a fait un drop directement dans mes build-2. Et ça c'est là où je vois qu'il y a des joueurs qui sont vraiment intelligents et même en diamant, hein, pour pas croire qu'il n'y a que des masters et Jack qui savent jouer. C'est qu'il fait un très bon push de face qui m'oblige à venir avec toute mon armée et j'ai de franc. J'ai même pas vu le push. Donc finalement j'ai perdu mon canon. Voilà, donc j'aurais quand même réussi à repousser son armée. Bon, ça va être compliqué, hein, vous avez vu, voilà. J'ai quand même un DT pour m'aider à le repousser. Et ben j'ai pris très cher, j'ai pris vraiment très cher, parce qu'il y a encore 3 zélotes qui défendent toutes mes probes. Et en termes de lose, je suis plutôt devant encore. Allez, un peu de bol, choc, mais il a perdu que du zélote. Donc finalement, moi, il m'a tué des sondes, il m'a tué ma B3. Lui, il va prendre sa B3 de façon safe maintenant, il va y avoir pas mal d'immortels, pas mal d'arcons. Donc, il est bien dans la game, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Parce que ma transition, alors excusez-moi, je suis un petit peu vite, mais ma transition s'est écoulée 14 minutes, c'est le Tempest. Alors, je ne l'ai pas montré. L'idée c'est d'avoir 2-3 colosses, c'est de protéger sa B3 avec des canons, et dès que ça c'est fait, en parallèle, vraiment en parallèle, alors c'est chaud au niveau du minerai du gaz, c'est pour ça que vous avez besoin de votre B3 très rapidement, vous partez sur du tempête. Ok, donc c'est pas mal, vous allez avoir 2-3 tempêtes au démarrage, donc si votre adversaire en face a du colosse, sous les coups des 15-7 minutes, normalement il doit en avoir 3-4, vous n'allez pas le défoncer. Tempête, hein, bonne portée et très très bon contre massif, le colosse est massif donc pas de problème. Et surtout, vous allez pouvoir mettre la pression avec vos DT. Ça, c'est super important. Les DT sont vraiment super importants dans cette game. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous permettre d'aller chercher les communes adverses. Ils vont vous permettre de mettre la pression sur votre adversaire. Voilà, j'ai pris des sondes. J'ai pris la B3. Donc, bien, très très bien de game. Et finalement, le push qui m'a retardé, eh bien, je reviens totalement dans la game. Et je suis très très bien maintenant. J'ai mon armée. J'ai mes premières tempêtes. Je suis un petit peu en retard sur mes autres tempêtes. Il faudrait que j'aille les chercher les autres. Voilà, et mon adversaire qui a commencé à attaquer, donc 116 de pop, 119. Et maintenant, j'ai être franc, hein, ça va se jouer à la peur du tempeste. Pourquoi? Il voit les tempestes, il entend les tempestes, il a pas grand chose pour trade avec les tempestes. Il a quelques stalkers. Bon, pourquoi pas, mais il n'y aura pas assez de stalkers. Il va y avoir quelques archons. Pourquoi pas, il n'y aura pas assez d'archons. Et finalement, eh ben ces canons photons vont être là juste pour me protéger. Et les tempestes, je peux les mettre dans une position vraiment favorable pour moi. Pourquoi? Là, vous voyez, il y a une pente. Ok, je peux mettre mes tempêtes dessus. Donc, mon adversaire ne peut pas les attaquer. Moi, je peux contrôler facilement l'Exalnaga. Et finalement, je sécurise tranquillement ma B3. Donc, c'est une technique qu'il faut utiliser vraiment avec les maps. Il faut vraiment utiliser la map de la façon la plus optimale possible pour poser vos canons photons de façon safe. Et ensuite, poser vos tempêtes pour montrer que de toute façon, s'il approche, il ne pourra pas faire dommage. Alors, vous allez me dire,
Ouais, Milas, peut-être qu'il pourrait faire du stalker et tout, machin, tout ça. Ok, c'est vrai, le stalker, c'est un très bon contre en passe. Le souci, c'est que si vous avez assez de canons photons derrière et si vous avez encore quelques colosses pour tenir, bah les stalkers, ils vont complètement morfler, ils vont complètement se faire défoncer. Et pareil pour les archons qui sont une très bonne unité, bon, contre en passe, pas forcément, parce que ça manque de portée. Mais pour tanker, c'est pas mal. Et finalement, si vous avez canon photon plus colosse, ça passe vraiment très très bien. Alors, si en plus la map est pour vous, bah c'est bien, c'est vraiment parfait. Vous voyez, vous pouvez aller chercher les unités, les dernières unités, vous pouvez les gratouiller quand ils partent. Je commence en plus à avoir pas mal de tempête, donc ça c'est plutôt cool pour moi. Le plus sur attaque et en recherche pour l'adversaire. Moi qui suis actuellement en recherche des améliorations d'attaque pour l'aérien. Et là, voilà, ma technique qui se met en place, on va mettre du canon photon. Alors, c'est très long, c'est très chiant. C'est très très chiant pour l'adversaire. Pourquoi? Parce que finalement, bah ouais, voilà, on peut pas avancer. Ou quand il peut avancer, c'est uniquement quand il n'y a pas vos tempêtes. Et dès que vos tempêtes reviennent, eh bien c'est la misère. C'est vraiment la misère. Alors, le truc c'est que ma technique, elle est fragile. Elle est quand même fragile un petit moment. C'est sur la transition tempête. Hein. Vous avez que 2-3 tempêtes, vous êtes fragile. Donc pendant 2 minutes, on va dire que vous êtes vraiment. Vous pouvez vous faire défoncer, ça c'est, je le reconnais, hein, c'est bien sûr comme technique. Il y a des counters et c'est bien normal. Par contre, une fois que vous êtes safe, une fois que vous avez posé vos canons, une fois que vous avez posé vos tempêtes, je vous promets, la seule chose qui peut vous déloger, c'est du tempête. En plus, à côté, vous avez du DT. Alors le but du jeu, hein, c'est de mettre la pression sur les B3, sur les B4, sur les B5. Il faut empêcher votre adversaire de partir trop rapidement sur les B5, B6. Pourquoi? Vous êtes en train de stocker des masses tempestes, ok? Ça coûte très cher la tempête. Donc là, vous êtes sur B4, je suis sécurisé. Je laisse mon adversaire sur B3. Donc pour le moment, moi, je mine du minerai du gaz. Donc je suis très très bien. Je peux continuer à faire mes canons et mes tempestes. Et lui, il est bloqué actuellement sur B3. B4 qui est posé. Mais j'ai toujours un avantage économique. Et c'est avantage économique de vous permettre d'avancer au fur et à mesure, tel un rouleau compresseur. Vous allez lui casser la gueule à votre proto, vous allez le prendre, vous allez le retourner en deux. Je vais vous montrer c'est qui le patron. Et finalement, bah, Zuxi, en restant actuellement sur une compo, on va dire Stalker Archon, et même s'il y a des temps, enfin des Void Ray qui commencent à sortir, des Void Ray qui sont, voilà, qui sont ici, et bah, le Void Ray n'est pas un bon contre sur le papier du Tempête. Mais quand il y a des canons en face, eh bien ça devient totalement inutile. Pourquoi? Parce que les Void Ray, ok, ils vont charger. Vous êtes juste à baquer dessous vos canons, voire même vous reculez complètement. Ok, les canons vont peut-être tomber, mais la charge des Void Ray va tomber. Il vous aura encore d'autres canons derrière pour tenir. Et puis vous utilisez la portée du Tempeste pour tout casser, vous voyez? C'est aussi simple que ça. Alors faut jouer avec des Ops, faut être malin. Mais à la seconde où votre adversaire laisse votre armée avancer sur la map, c'est perdu. Vous avez vu, au démarrage, j'étais vraiment bloqué sur ma B3. Pourquoi? Bah ouais, j'avais mes canons sur ma B3. Et maintenant, j'ai mes canons qui sont posés en plein milieu de la map. Et là, maintenant, on va changer de stratégie. Pourquoi? Je vais pouvoir commencer à prendre les Zelnaga. Je vais pouvoir commencer à prendre le contrôle map sur toute la map. Et derrière, on va aller chercher les deux unités. Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que dès que votre adversaire a posé une B4 ou une B5, voilà. Hein, on va être franc. 4 coups, on n'en parle plus. Donc votre adversaire, le temps qu'il bouge, et ben finalement vous avez le temps de repartir, vous avez le temps de vous sécuriser avec vos photons. Et c'est là où c'est très important, votre armée parfois va être hors de position, comme ici. Et ce qu'il faut, tout simplement, hein, c'est tout con, ce qu'il faut, c'est juste avoir des canons pour la protéger au fur et à mesure qu'elle arrive à la cardienne. Voilà, vous pouvez utiliser la portée des tempêtes, hein, faut pas hésiter, au contraire, il faut vraiment m'abuser. Voilà, derrière, je prends les ops, ça c'est super important les ops. Si vous pouvez arriver à choper les ops, en fait, si vous avez DT qui traîne sur la map, vous êtes obligé de repousser votre adversaire. Alors, DT important, colosse important d'early game, et ensuite c'est que du tempeste et des canons. Donc vous voyez, hein, dès que mes canons tombent, j'en mets plein. Et on va continuer à avancer au fur et à mesure. Voilà, je vois l'armée de mon adversaire, je vois qu'il y a encore beaucoup de Void Ray, il y a encore beaucoup d'immortels, quelques stalkers. Donc, belle compo, hein, vraiment belle compo de mon adversaire, c'est plutôt une compo qui fait peur. Mais en fait, bah pas tant que ça. Voilà, c'est un peu ça. Un ops dans la base d'adversaire pour savoir quand la B5 est posée, ça c'est très important. Vous devez contrôler les expand au maximum. Ça c'est le but du jeu. Vous devez contrôler les expand au maximum. Et derrière, on va continuer à faire le forcing avec les tempêtes. Alors, vous voyez, je vois mon adversaire qui bouge, donc je suis obligé de revenir en fait avec les tempêtes. Il faut pas laisser votre adversaire faire n'importe quoi. Il faut vraiment lui mettre la pression. Et bah, le but du jeu, c'est que vous pouvez choper toutes les unités qui sont un petit peu lentes. Vous pouvez abuser sur la portée du tempeste. Et le but du jeu, voilà, c'est de dès qu'il va sortir, ok, il va peut-être vouloir venir faire des choses, peut-être vouloir vous casser la gueule. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Et de toute façon,
La portée des tempêtes est vraiment intéressante. Et vous voyez, voilà, si vous voulez venir choper vos tempêtes, de toute façon, il y a masse canon, les canons avec les tempêtes, on n'en parle plus, on reboot totalement son armée. Et derrière, vous avez masse thune, et on repose masse canon. Oh, regardez, je joue Protoss, c'est tellement intéressant. Voilà, j'ai le mono. Ah, il y avait un Tempest. C'est passé rapidement, mais il y avait un Tempest. Il a fait warper 7-8 Stalker pour le choper. Il s'est pris mon ami dans la phase, donc il a pris un petit peu cher, mon ami Xoxy. Et puis, ben voilà, on continue simplement à avancer les canons. Tu vois, c'est tout de suite intelligent. Il faut comprendre que c'est vraiment une strat no brain, je peux pas le dire autrement, parce que c'est très long. J'avoue, c'est très long à jouer, hein. C'est des games qui font parfois plus d'une heure. Mais vous bloquez complètement le jeu de votre adversaire. Et encore, Xuxi qui a bien joué au démarrage, hein, qui m'a fait des drops de Zélote, qui a cherché mes expands avec du Stalker, qui a essayé d'expand. Donc non, vraiment, vraiment super intelligent de sa part. Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment, trop c'est trop, il y a trop de canons, il y a trop de Tempest. Et le seul moyen de me counter, c'est de partir également sur Tempest. Le souci, c'est qu'après, c'est Tempest contre Tempest. C'est amélioration contre amélioration, et pourtant, il était pas mal, hein. Il était en 3-3-3. Moi, j'étais en 2-2-1, non même pas, 2